Bonjour mes amis vierges, je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne du tarot de l'œil du chat pour votre tirage sentimental de ce mois d'août qui s'annonce prometteur. Pour ceux qui me découvrent, eh bien, soyez les bienvenus, cette chaîne est également la vôtre et voilà, et j'espère que vous y trouverez votre compte. Je vous rappelle que je fais des approfondissements de votre tirage sentimental que vous pouvez lire sur Vimeo et vous trouverez le lien en descriptif si ça vous intéresse et si ce tirage bien sûr résonne en vous. Alors, mes amis vierges, vous avez de l'arbre, donc on sent qu'il y a de la terre, il y a de l'étoile, donc on sent qu'il y a de l'action ou du signe de feu autour de vous, et puis il y a quand même une, deux, trois arcanes majeures, deux arcanes majeures, mais il y a quand même la 10 de cœur ici et j'adore cette carte. Il y a la reconnaissance et les étoiles. Donc, il y a beaucoup de perspectives amoureuses pour vous sur ce mois d'août du moins, mais je crois, ça fait de ma part, que ça avait déjà commencé sur ce mois de juillet. Alors, comment vous vous présentez sur ce mois d'août? Eh bien, il y a le roi des arbres. Soit c'est vous, soit c'est quelqu'un d'autre qui rentre dans votre vie, qui pourrait être d'un signe de terre, qui a une certaine sagesse, qui a construit sa vie, qui s'aime lui-même et qui aime les autres sans rien demander, qui a une certaine assise financière, une certaine expérience de vie, mais quelqu'un d'extrêmement généreux. C'est une personne qui était probablement là avant même que vous la voyiez. Elle était là, elle était proche de vous, elle a toujours été là. Et puis peut-être qu'elle se réveille à vous avec un nouveau regard. Le roi des arbres, c'est celui qui est l'architecte de sa propre vie. Donc si c'est vous, alors vous avez une reconnaissance de vos propres capacités à aimer, à vous aimer, et auquel cas vous avez parfaitement conscience que le roi des arbres, c'est vous-même en tant qu'architecte de votre propre vie. Votre bonheur ne peut venir que de vous. Vous voyez, c'est vous qui allez le chercher. Et si c'est une personne qui est à côté de vous, eh bien il est là. Peut-être qu'il vous passe des messages et auquel cas vous devez ouvrir vos yeux, ouvrir vos oreilles et écouter tout ce qui se passe autour de vous parce que c'est bien présent. Et sauf erreur de ma part, je suis sûre que c'était déjà le cas au mois de juillet pour votre tirage. Mais on sent effectivement qu'il y a un changement pour vous qui s'opère autour d'une personne qui est soit du signe de terre, donc vierge, capricorne, taureau, soit une personne qui est ancrée dans la vie, sage, posée, qui ne demande rien à personne et qui n'a besoin de personne, mais cet individu-là est là pour vous, c'est sûr. Et peut-être même que vous l'avez vu et que vous n'osez pas y croire. Vous avez vu que cette personne-là est autour de vous et qu'elle vous cherche et qu'elle vous propose son amour, même si c'est pas montré directement. Et il est possible que vous n'osez y croire. Et pourquoi vous n'osez y croire? Parce qu'il y a la 9 de cœur. Vous écartez de cette personne-là parce qu'avec la 9 de cœur, vous avez acquis, si vous voulez, une forme d'épanouissement, de tranquillité d'esprit, de bonheur, de joie de vivre qui vous satisfait. La 9 de cœur, ça traduit la stabilité, ça traduit la réussite émotionnelle, ça traduit l'équilibre émotionnel. Vous voyez ce 9 de cœur-là, il a l'œil ouvert, il a la conscience ouverte, les branches et les racines s'entremêlent, c'est un tout, c'est une osmose de tout, et cet amour-là, il est bien présent, il est bien caractéristique. La 9 de cœur, c'est quelqu'un qui a compris ce qu'est l'amour. Donc, vous vous détournez de ce roi de cœur-là, peut-être parce que vous avez peur de perdre cet équilibre-là que vous avez acquis sur plusieurs années, peut-être. Peut-être que vous venez d'un passé qui a pu être douloureux et vous avez su vous construire malgré cette douleur. Quoi qu'il en soit, on a évidemment tous et toutes des expériences de vie plus ou moins chaotiques. Et vous, malgré tout, vous avez réussi à créer quelque chose de construit, une fondation solide, quelque chose qui ne vous a pas empêché de vivre pour autant. Même si vous avez eu des manques, il semble que vous avez trouvé une harmonie de vie autour de vous. Et c'est peut-être pour ça que vous vous détournez de cette possibilité de rencontrer quelqu'un de posé, de sage, qui vous proposerait quelque chose de particulièrement adorable. Alors, j'ai bien envie de vous dire, dans certains commentaires, parfois je dis « Ah oui, mais c'est pas mon cas, ben non, c'est pas vrai, je vois pas les choses arriver, j'attends, j'ai envie de vous dire « N'attendez pas, il faut aussi aller vers l'autre. »
quand vous voyez qu'une personne est généreuse avec vous, qu'elle est gentille avec vous, eh bien, donnez-lui un peu de cet amour. Partagez ce que vous avez là, avec ce que vous avez eu en équilibre émotionnel, en amour émotionnel dans votre fort intérieur, et bien partagez-le, parce que plus vous donnerez et plus vous recevrez. Ça ne va pas dans un sens, la relation amoureuse. C'est je donne et je reçois en échange. Donc si vous avez le sentiment qu'une personne puisse être gentille autour de vous et vous propose quelque chose d'agréable sans que ce soit du profit, avec la roi des arbres, il n'y a pas de profit. Le roi des arbres n'a pas besoin de profiter de l'autre puisqu'il a déjà de tout. Voyez ? Donc n'ayez pas peur, puisque vous avez la 9 de cœur qui vous rend joyeux, qui vous rend stable, qui vous rend gai émotionnellement, d'aller vers cette personne. Vous verrez ce qui se passera. Vous n'allez pas être mangé tout cru. Vous risquez quoi ? Ah, au pire, vous vous prenez un vent. Mais au mieux, vous gagnez quoi ? Ben, vous gagnez encore plus de stabilité, plus d'émotions, de l'apothéose amoureuse, et j'en passe. On est dans les sentiments là, hein ? Alors d'où vous venez ? Ben vous venez de la 5 des étoiles. Donc la 5 des étoiles, c'est la diversité, la confusion, le mélange des genres. La 5 des étoiles, elle peut traduire parfois une situation qu'on n'a pas voulu, qui nous a mis dans des doutes, et puis qui nous a pu faire croire que tout était confusion. Vous voyez, la 5 des étoiles, ici on voit 5 étoiles qui montent au ciel ou qui descendent du ciel, mais quoi qu'il en soit, les couleurs se mélangent. Donc si vous voulez, votre expérience de vie passée a été une succession d'expériences, de vécus plus ou moins heureux, parce qu'on voit que la lune éclaire la mer, mais la mer prend une couleur verdâtre, jaunâtre, noirâtre, le ciel il est rouge, il y a des ondes, il y a des énergies, les étoiles on ne sait plus de quelle couleur elles sont, donc vous avez peut-être pu baigner dans des illusions amoureuses, quelles qu'elles soient, et parfois ça vous a peut-être un peu perdu. Comme si vous ne saviez plus où était la rationalité des choses, des événements, comme si tout ce qui vous entourait était un peu mal rangé, si j'ose dire. Et cette diversité-là a pu plus ou moins vous déstabiliser, mais en même temps, elle vous a forcément enrichi, parce que c'est la diversité des événements et des choses qui vous permettent d'être ce que vous êtes aujourd'hui, à savoir une personne équilibrée, aimante, qui a envie d'aimer et qui a envie de recevoir de l'amour. Alors, dans votre force, de ce que vous êtes là, de ce que vous avez dans votre environnement, vous avez de la force amoureuse, c'est la 3 des étoiles. La 3 des étoiles, c'est quelqu'un qui est visionnaire, donc on est aussi dans le signe du feu. Donc le feu, c'est Bélier, Sagittaire, Lion. Si vous en avez autour d'eux, ben, inspirez-vous d'eux, à moins que ce soit une personne qui vous entoure et qui est de ce signe de feu-là. Et qui est très proche de vous, la 3 des étoiles, elle vous invite à vous organiser. Vous avez, et c'est une force pour vous, vous avez cette capacité de comprendre et d'avoir compris que pour réussir sa vie, vous ne pouvez pas le faire tout seul. Pour réussir une situation amoureuse, il faut qu'on soit au moins deux et qu'on aille vers une direction de vie pour dire de créer un artifice de sa vie, de créer un arc-en-ciel de vie. Et on voit très bien ici ces étoiles qui s'illuminent dans le ciel. C'est parce qu'il y a eu une organisation d'aller ensemble en direction du ciel, de créer une lumière constante, aimante et énergisante pour dire que ça fonctionne. Vous voyez, la 3 des étoiles, c'est vraiment pour moi l'organisation. On est dans une démarche positive et ça, c'est votre force. Je ne suis pas sûre que vous aviez la 3 des étoiles dans votre tirage le mois dernier. Donc, j'ai envie de vous dire, là, vous êtes au mois d'août, c'est les vacances. Vous allez peut-être aller à la plage, que sais-je. Eh bien, allez, laissez-vous porter, organisez-vous sans lâcher prise. Je ne dis pas de lâcher prise, ce n'est pas le problème. Là, c'est d'accepter qu'on rentre dans votre vie pour dire d'aller vers un chemin commun, d'aller vers une direction commune. Par exemple, alors je vais vous dire une bêtise, mais par exemple, vous avez rencontré quelqu'un, vous devez organiser une soirée, vous vous dites, eh ben, écoute, ça sera chez moi, très bien, mais laissez cette personne amener de quoi pour organiser la soirée, la musique, le dessert, la boisson, que sais-je. Vous voyez, c'est une métaphore, bien évidemment. Vous le voyez comme ça, vous chante, parce qu'on est en matière amoureuse, mais laissez les personnes s'organiser autour de vous, laissez cette personne rentrer dans votre vie, puisque de toute façon, elle est là. Elle est là et elle vous propose cette aide-là. Laissez-vous porter par l'amour.
dans votre inconscient, vous l'avez cet amour. Regardez, vous avez deux arcanes majeures dans votre inconscient qui traduit donc un parfait équilibre, la reconnaissance et les étoiles. La reconnaissance, c'est celui qui a trouvé, si vous voulez, l'harmonie amoureuse dans son inconscient, qui a pu construire de son passé quelque chose de particulièrement positif dans sa tête et qui espère effectivement avoir un équilibre amoureux. Mais vous n'avez pas besoin de l'espérer parce que vous l'avez cet équilibre. Vous voyez, cette personne, elle est sage, posée, elle croise les mains et elle tient la flamme de l'amour entre ses mains et elle est reconnaissante, si vous voulez. En toute harmonie, elle a compris que chaque personne est à sa place, que chaque chose est à sa place et qu'on peut faire quelque chose de très beau ensemble. Vous êtes invité, si vous voulez, à être dans cette position avec les yeux bien ouverts, hein, pas fermés, on n'est pas dans la méditation là. Hein. Ça veut dire que c'est déjà acquis. Vous êtes invité à joindre vos mains comme ça et à imaginer une flamme rose qui est la flamme de l'amour. Et laissez-la vous envahir, laissez-la vous traverser jusqu'à ce qu'elle atteigne votre chakra cœur pour que vous puissiez, si vous voulez, vous éveiller à cet amour qui est divin, à cet amour qui est transcendant, à cet amour qui est tout autour de vous. Et ce sera d'autant plus facile que vous avez la carte des étoiles. Les étoiles, c'est l'espoir, c'est la foi, la croyance en un amour éternel, possible et durable. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de plus avec ça? Avec la carte de l'espoir, si vous voulez, ça veut dire qu'il y en a encore de l'amour en vous. Il y a du coffre là-dedans, voyez, dans le terrien que vous êtes, il y a que de l'amour en fait. Le Vierge, c'est quelqu'un que je qualifie de sage, de posé. Et en amour, j'ai envie de vous dire, vous êtes aussi sage et posé, et pourtant vous n'avez envie que d'une chose, c'est d'exploser, de montrer que cet amour vous l'avez pour l'autre et que vous pouvez le donner. J'ai envie de vous dire que oui, c'est possible à la condition que vous laissez les autres entrer dans votre cœur. Comment ça se traduit dans votre présent? Mais regardez, je pense que certains vierges ont déjà accepter d'entreprendre effectivement, sont peut-être dans cette relation amoureuse parce que dans le présent on a la reine des cœurs et la 10 de cœur. C'est extraordinaire. Donc pour mes vierges qui ont déjà trouvé l'amour là depuis quelques temps, votre inconscient papillonne et là avec cette reine des cœurs là, on a ouvert son sixième sens. La reine des cœurs, c'est celle qui maîtrise ses émotions, c'est celle qui comprend les émotions des autres, c'est celle qui est nourricière, c'est la bienveillante, c'est celle qui baigne dans l'amour et son cœur est un océan d'amour. Ça peut traduire aussi un signe d'eau qui serait autour de vous, donc l'eau, poisson, cancer, scorpion, qui aurait cette démarche-là envers vous et qui vous apporte tout cet amour, cette bienveillance. C'est l'aspect maternel ici hein, qui se développe avec la reine de cœur. C'est là aussi où on développe son sixième sens. Parce que quand on est connecté à l'amour comme ça, on arrive à lire dans les émotions de l'autre à travers un regard, à travers un toucher. C'est la sensualité, la sensibilité qui se met en œuvre. Et la 10 des cœurs, c'est l'apothéose. Donc pour les vierges qui sont en train de découvrir l'amour, laissez vraiment vous traverser par cet amour. Parce que ce que vous rencontrez là avec ce roi des arbres là, c'est autant d'amour pour chaque partie de votre corps. C'est comme si vous pouviez vous faire l'amour à vous-même. Regardez cette personne, il n'y a pas un endroit de son être qu'elle n'aime pas. Elle s'aime tellement, elle est tellement dans cette bienveillance pour elle-même, pour l'autre, qu'elle a réussi à s'aimer, à se poser, à flotter sur l'eau et à pouvoir voir dans la nuit. C'est ça l'apothéose, la 10 de cœur. C'est vraiment la réussite émotionnelle à tous les points de vue. Donc félicitations mes amis vierges, l'amour est là. Alors, dans votre foi intérieure, dans votre moi sacré, dans votre spiritualité, on a la chevalier des étoiles, on a le feu. Le feu, ou un signe de bélier, sagittaire ou lion encore. Mais si vous voulez, la chevalier des étoiles, elle vous invite à aller à l'aventure, à déménager, à partir en vacances, à avoir un nouveau projet. Donc, on sent effectivement qu'il y a de l'amour autour de vous, peut-être une relation idyllique, peut-être une relation qui ne dure pas, peut-être, mais peu importe. L'important, ce n'est pas la durabilité dans une relation amoureuse, mais c'est son intensité. Il y a du bonheur à la clé, il y a de la joie de vivre, il y a de la passion, c'est ça dans votre moi sacré. Donc, n'hésitez pas. Alors, votre plus grand défi, mes amis vierges, l'as des arbres, waouh!
L'as des arbres, c'est l'abondance amoureuse. On est à nouveau dans votre signe de terre. Vous êtes à nouveau connecté ou d'accepter cette connexion. Accepter cette connexion à la terre puisque c'est votre signe. L'as des arbres, c'est celui qui réécrit un nouveau chapitre de son histoire amoureuse. Regardez, cet arbre, il est bien ancré, bien enraciné. Il produit des feuilles et des fruits colorés. Il y a l'étoile, un cœur, une étoile, un cœur. Donc tout ce qui a été, tout le temps qu'il a grandi, il a grandi avec des énergies d'amour. Et puis là, le plus grand défi, c'est d'accepter que cet amour recommence. On réinvestit l'amour pour un futur. C'est un investissement sur l'avenir. Et vous voyez là derrière, il y a des écritures sur cette page blanche. Ben, prenez un stylo, prenez un papier et commencez à écrire votre histoire d'amour. C'est votre plus grand défi parce qu'il est présent et il va falloir l'accepter. Peut-être qu'il faudra lâcher peut-être ce passé ou accepter que ce passé, si vous voulez, fasse partie de votre vie. Et si ce n'est pas déjà fait parce qu'on sent que l'amour est là, si ce n'est pas déjà fait, eh bien, allez-y là. Allez-y parce que vous avez tout. Tout est là, tout est là, tout est là. D'ailleurs, regardez, encore magnifique. On est encore dans votre signe de terre. Le chemin que vous semblez prendre, c'est la 10 des arbres. La 10 des arbres, c'est la loyauté, la fidélité, la reconnaissance de l'amour, le remerciement à l'amour, la réussite. Et on est dans le signe de terre, c'est-à-dire que ça nous ancre. Cette relation-là amoureuse avec ce roi des arbres qui vous donne des ailes et qui vous fait un peu peur, j'ai envie de vous dire, elle va vous conduire à l'apothéose de l'amour loyal. Regardez, cette personne-là, elle est nue, elle avance vers cet arbre, elle l'embrasse, elle lui est reconnaissante de l'amour qui lui est donné. Et l'arbre lui donne en retour. Ces deux êtres-là ont compris qu'ils étaient alchimiquement liés. L'arbre a un énorme cœur qui rayonne, il vibre. Regardez, on voit toutes ces vibrations. Et c'est de la fidélité. Elle et lui ne font qu'un. Et vous allez vers cette direction-là. C'est le chemin que vous semblez prendre. Vous êtes sur le chemin de l'amour. C'est merveilleux. Allez, mes amis vierges, si ce tirage résonne en vous, si vous êtes sur le point de faire une magnifique rencontre, ou si vous avez déjà fait cette rencontre qui vous donne des ailes, je vous invite à aller sur Vimeo, parce que là maintenant on va l'approfondir, je vais recouvrir toutes les cartes avec le tarot de Wicca, qui est le tarot de la sensualité et de la sexualité. Et ainsi, si vous voulez, ça va vous permettre de voir, d'approfondir, et de voir si effectivement vous vous sentez connecté à ce tirage. Très joli tirage, hein, magnifique, hein. Les vierges, vous pouvez y aller, hein. Ça, il n'y a pas à dire. Allez, on va tirer, tac, tac. Qu'est-ce qu'on a? Alors, je pousse un peu, je vais faire attention à ce que vous voyez bien. Sur la roi des arbres, qu'est-ce qu'on a? Qui est ce roi des arbres? Est-ce que c'est vous-même? Bon, là, il y en a trop. Est-ce que c'est vous-même? Est-ce que c'est une autre personne qui vous entoure? Allez. Alors, donc sur Vimeo, je rajoute des cartes, hein, sachez-le. Très, très souvent, je rajoute, sauf si le tirage est particulièrement clair. Et puis, bon, on n'a pas augmenté nos tarifs parce que j'estime que voilà, c'est assez. Et puis, franchement, c'est dérisoire. Donc, n'hésitez pas. Le lien est en descriptif. Et vous pouvez aussi me contacter pour une guidance privée. Ah, bah parfait. Regardez. La 6 de denier. Ah, mais ça me plaît beaucoup, ça. Sur ce qui vous éloigne de ce désir profond, de votre moi profond, on a dit que c'était la 9 de cœur, hein, qui est aussi une carte positive. Ah, elle se retourne. Oh, mais regardez comme c'est magnifique. L'as de coupe. Oui, il y a une relation amoureuse qui est là. Oui, c'est clair. Sur le passé, cette 5 des étoiles, elle a déjà sauté. La 10 de denier. Donc ici, on a à nouveau la 10 de denier. Donc il est possible que certains vierges aient peur de reproduire le passé. Je vais en remettre une quand même. Peut-être qu'on aura un peu plus d'approfondissement. On aura un peu plus de... Ouais, celle-là, elle saute. La 6 de coupe. Ouais, certains vierges ont un peu peut-être du regret d'un certain passé. Bon, alors, votre plus grande force de votre environnement, notamment avec cette 3 des étoiles, qu'est-ce qu'on a? Ah, ça en a trop. Waouh! On a le temps.
le temps qui s'écoule. Avec votre, c'est une arcane majeure ça, hein, avec votre inconscient, là, ces deux cartes qui sont tombées en même temps, qu'est-ce qu'on a? Votre inconscient. Ah, celle-là le veut. Waouh, le battleur. Vous êtes beau, hein, mes amis vierges, en votre tête, hein, c'est beau, hein, magnifique. Ici, sur votre présent, sur la façon dont la matérialité de l'amour se fait, où on sent effectivement que vous allez, avec cette reine de cœur et cette 10 de cœur, qu'est-ce qu'on a? Ouh, ça saute. Ça saute trop, mais ça saute quand même. Ah, ça ne veut pas, hein? Ça veut dire que tout est dit peut-être. Oh, que c'est joli, la 7 de deniers. Parfait. Parfait. Pour moi, c'est très très bien. C'est solide. Alors, sur cette chevalier des étoiles qui traduit votre moi profond, peut-être un déménagement, peut-être une nouvelle aventure amoureuse, une relation idyllique, un nouveau projet. Oh là là, regardez, la 9 d'épée. Ouais, il y a des petites peurs hein, quand même hein, chez certains vierges. Hein. Ouais. Ouais, je vais en remettre une, tiens. Je vais en remettre une. Oh, celle-là, elle est retournée. Je la prends. La 3 d'épée. Évidemment. C'est vraiment en vous. Hein. Si vous refusez l'amour, c'est pas l'autre, c'est vous qui... C'est dans votre tête que ça se passe. Hein. Même s'il y a de l'espoir, tout ça, vous avez une retenue... Une retenue de sagesse peut-être, mais il faut la balayer. Alors votre défi avec cet as des arbres, cette abondance, ce nouveau projet qui s'ancre en vous, voilà, écrivez une nouvelle histoire de votre vie, de votre amour, voilà, qu'est-ce qu'on a? Ça saute, oh là on en a trois, donc c'est trop pour moi, et ben dites donc, celle-là elle saute. On a la jeune fille de bâton, waouh! Très très bien. Et enfin, sur cette 10 des arbres, où effectivement, on voit le chemin que vous prenez, regardez, magnifique, la 8 de coupe. Ça va aller plus vite que vous le pensez, je crois. Alors, c'est pas fini, mes amis vierges, parce que je vais mettre le jeu, je vais le mettre ici. On va... Oh là là, j'ai fait tomber mon jeu de cartes, tant pis. Posez-vous une question, donc pour ceux qui me rejoignent sur Vimeo, et seulement ces personnes-là, je vous remercie. C'est de vous poser une question précise sur votre tirage amoureux, s'il résonne bien évidemment en vous. Et j'y répondrai sur Vimeo avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Allez, c'est parti. Alors, je ne veux plus entendre un vierge m'écrire « Ouais, ben non, moi je vois rien, j'attends toujours, c'est pas possible ». Alors, évidemment, c'est un tirage général, ça ne parle pas à tout le monde, mais il y a obligatoirement du monde autour de vous. Vous êtes guidé, vous êtes protégé, ça c'est certain. Allez, on se met en avant, mes amis vierges, hein, pour ce mois d'août, d'un point de vue amoureux. On y va, on n'hésite pas. Et je dirais que ceux qui sont en couple, ben, c'est pas trop mal, hein. Sauf peut-être pour certains, effectivement, où là, il y a des doutes, mais c'est possible qu'il y ait des doutes chez certains vierges. Hein, mais ça serait que pour du bon, quoi qu'il en soit. Ouais, ça s'est beaucoup trop retourné. Alors. Alors, vous avez la 2 de carreau. Alors, il est possible quand même que certains aient eu à subir quelques trahisons. C'est curieux parce que ça ne ressort pas trop dans votre tirage. Bon, on va voir, hein, mais... Ou un sentiment de trahison, peut-être. La roi de pique, ouais, ça c'est sûr. On voit qu'il y a de... Il y en a pour certains vierges, ouais, effectivement. Alors, vous vous présentez avec... Oula, il n'y en a qu'une qui doit sauter. On a la 3 de pique. Ça vous aide. Certains sont peut-être fatigués. Ensuite, les deux suivantes. Ouais, ça ne m'étonne pas que c'est
enfin, quand je vois cette 3 de pique qui tombe là, je ne suis pas surprise effectivement que certains aient des doutes, des difficultés. Alors, mais par contre, ce qui est curieux, c'est que ça ne ressort pas en majorité. Ce n'est pas ce qui semble l'emporter pour votre mois d'août du moins. Oh là là, il y en a beaucoup trop là. Ça va pas sauter. Si. Les deux suivantes, on a, ah oui, je comprends, la 6 de pique et la 4 de trèfle. D'accord, je comprends là effectivement ce qui va résonner le plus dans la réponse, c'est par rapport à une situation passée. Bon, je vous dirai tout sur Vimeo. Donc, mes amis vierges, pour ceux qui me rejoignent sur Vimeo, je vous dis à tout de suite. Le lien est en descriptif. Pour les autres, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager, à commenter, bien évidemment, pour me faire part de vos expériences. Et puis, n'oubliez pas d'activer la cloche si vous voulez avoir les notifications des prochaines vidéos. Et pour tous les autres, eh bien, je vous dis à très bientôt pour votre prochain tirage général et sentimental du mois de septembre. Bisous, bisous !